Jour mémorable pour les enfants de l'orphelinat de Bingéville. En plus de la présentation du trophée de la CAN, ils ont pu bénéficier de la présence des éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique 2015. Moment particulier, vécu pleinement par les enfants. Yaya Touré et ses camarades ont même livré un match épique contre l'équipe de l'orphelinat. Le directeur de l'orphelinat et ses pensionnaires n'ont pu cacher leur satisfaction et émotion. J'étais émue car je viens de voir la réalité en face. Mon rêve de devenir un footballeur. Et cela va presque se réaliser. Je voulais remercier les éléphants de Côte d'Ivoire pour la coupe qu'ils nous ont apportée. Que d'émotions, vous voyez, les enfants sont totalement en joie. Et on voudrait très sincèrement remercier le président de la FIF et sa délégation, ainsi que tous les éléphants. Vous voyez la coupe, c'est extraordinaire. Et nous souhaitons beaucoup de coupes comme ça, beaucoup de trophées comme ça pour la Côte d'Ivoire. Moment de bonheur également partagé par les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir de voir des enfants comme ça heureux. Et nous, ça nous fait chaud au cœur. On a encore envie, plus envie de leur faire plaisir. C'était pour leur montrer notre solidarité et aussi pour leur montrer que bon, voilà, nous aussi, on est passé par là pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. Et bon, on est tous contents. Vous avez vu tous les joueurs, on est tous venus. On sait que bon, voilà, demain, ils verront mieux que nous. Après les conseils du héros de Bata, Copa Barry, aux enfants, le vice-président de la FIF, Sori Diabaté, a annoncé les dons des éléphants à l'orphelinat. Des équipements, deux jeux de maillots de couleur orange et vert, 10 ballons et 2 millions de francs CFA. Les collèges et lycées de Bingéville venus soutenir l'orphelinat ont reçu 40 ballons. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités préfectorales et municipales de Bingéville.